Voilà donc l'occasion, depuis mon lit, bien positionné au calme, de vous montrer et de vous présenter le fonctionnement de ce petit éco-chaud que j'ai donc installé sur l'étagère avec l'aide de ma mère qui a peint et mis la corde de décoration. À cet emplacement-là, donc il est en hauteur, c'est pour ça que le socle est utile. Ça me permet de le pivoter légèrement vers l'avant et donc de bien le voir, y compris dans la nuit, depuis mon lit. Je vais donc vous montrer un petit peu de quoi il est capable. Et pourquoi c'est utile en version domotique, maison connectée ou dans le cas d'ici, fourgon connecté. Donc premier exemple, Alexa, chambre zen. Donc ça par exemple, c'est ma routine du soir. Je lui demande de baisser la lumière au minimum et de me mettre le téléphone en mode ne pas déranger, de baisser la luminosité et de mettre un petit son d'ambiance. Après, on peut partir à l'autre opposé, hein. Donc deuxième exemple, Alexa, ambiance fiesta. Voilà le petit délire. Et après, bien entendu, on peut faire plein de choses telles que Alexa, quelle est la météo à Laurac? Ouais, on est d'accord, hein. Bon, voilà, Alexa, mets de la musique. Ah, elle me connaît bien. Donc vous voyez, ça marche plutôt bien. Et j'espère que ça pourra vous donner des idées. Parce que franchement, c'est fun à piloter. C'est très pratique. Et puis quand on adapte la prise en 12 volts, il n'y a pas de problème. À ce sujet d'ailleurs, je vous prépare une petite vidéo pour vous montrer comment on convertit les appareils en 12 volts quand c'est possible. Et en l'occurrence, celui-ci, ça a été le cas. Voilà donc.